Donc rêve de coupe, hein, ça veut tout dire. Rêve de coupe, bah, voilà, on est là pour rêver. Baptiste, c'est un très bon ami à nous, un joueur du club qui nous a malheureusement quittés il y a quelques semaines maintenant. Quoi qu'il arrive, peu importe le score, ça sera encore un match pour lui. Hein. Notre étoile, elle est avec nous. Elle est avec nous, notre étoile. C'est un match que tout le monde rêve et souhaite de jouer dans sa carrière d'amateur en district. J'ai toujours su que j'allais passer à la télé un jour. C'est bien beau de jouer Colmar et tout. Et oh, c'est encore mieux de les éliminer, les gars. Si on est là aujourd'hui, c'est mérité. On a eu des moments compliqués. Ben aujourd'hui, on va se battre les uns pour les autres, pour lui. Précédemment, dans Rêve de Coupe, les trois premiers tours de la plus belle compétition du monde ont rendu leur verdict. Après un passage dans les Mauges, puis en Bourgogne, où nous avons vécu des émotions comme nous les aimons, avec le FC Fulé-Chaussée et l'AS Gurgis, c'est maintenant en Alsace que nous allons accompagner le petit poussé d'Angolsheim pour le premier quatrième tour de son histoire. Les maillots, un hommage et 8 divisions d'écart, en avant pour le Rêve de Coupe. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stalito, un nouveau Rêve de Coupe, votre série qui va en immersion au cœur des clubs amateurs durant la plus belle des compétitions, la Coupe de France. Et aujourd'hui, pour la première fois, j'ai fait étape en Alsace, pas loin de Strasbourg, du côté de Dangolsheim, un petit village de 700 habitants qui, pour la première fois de son histoire, a vu son club se qualifier pour le quatrième tour. Quatrième tour synonyme des maillots, l'apparition des fameux maillots mythiques, souvent l'objectif des clubs de district. Le maillot de la Coupe de France, c'était aujourd'hui qu'il a été distribué pour la première fois. Et en plus de ça, après avoir fait un exploit en battant une régionale de 3 buts à 0, mine de rien, c'est quand même quelque chose. Au tour précédent, ils ont eu l'honneur d'affronter le SR Colmar, gros club de la région, club de National 2, donc 8 divisions d'écart. Aujourd'hui, on a vécu ça ensemble. On a également visité l'Alsace durant ce périple avec, comme vous voyez derrière moi, une vue magnifique sur les vignes. On va s'y retrouver dans quelques instants. Mais avant cela, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Insta, sur TikTok et à cette chaîne YouTube. On va vers les 100 000 abonnés. Et franchement, je vous en remercierai tous les jours. C'est vraiment exceptionnel ce qu'on est en train de vivre ensemble. Et on est parti dans quelques instants pour ce quatrième tour de la Coupe de France, ici en Alsace, pour la première fois dans le Rêve de Coupe. Allez, c'est parti. C'est à Dangolsheim, au cœur des vignes, au cœur du vignoble alsacien, que l'on se retrouve. On est dans le village qui accueille le Rêve de Coupe, un village de 700 habitants. La mairie est là juste derrière. On va visiter ensemble et toute l'après-midi un peu ce qui se passe autour de ce village avec des villes typiquement alsaciennes. Donc là, on monte dans un premier temps pour avoir une vue sur les vignes et puis sur le stade également que je vais vous présenter. Et puis on est parti ensemble pour une visite du coin avant de se retrouver pour du football avec ce match entre Dangolsheim et Colmar dans quelques jours. On est monté sur les hauteurs, vous l'avez vu, physiquement c'était un peu compliqué parce que ça monte, c'est du 20% à peu près ici. On est entouré de vignes, de ces vignes d'Alsace, le vin d'Alsace ici, le crément. Il y a énormément de raisins actuellement puisqu'on est en période de vendange. Pour l'instant, ça n'a pas été ramassé autour de moi, mais ça va pas tarder. Et d'ici, alors là, vous le verrez pas parce que il y a des arbres et ça n'a pas été taillé, mais sur le chemin, vous l'avez vu, on voit le stade où on fera l'entraînement. Moi, c'était hier, mais je vais vous emmener dans quelques instants après notre visite à l'entraînement hier soir de cette équipe de Dangolsheim. Et on va aller maintenant se retrouver au cœur d'un village typique alsacien à Aubernais qui est, après Strasbourg, le village le plus visité du coin. C'est typique alsacien, donc je vais vous emmener directement là-bas. On s'y retrouve, on quitte les vignes et on va aller à Aubernais. On est arrivé à Aubernais et pour faire cette visite, je suis accompagné, je suis avec Flo. Flo, il est Florent. Moi, je suis joueur du club depuis 3 ans et j'ai ma licence depuis maintenant que j'ai 4 ans. Voilà, enfant du club, c'est enfant ça, ouais. De Dango. Là, l'enfant du club, c'est ça. Et toi, t'habites à Dango. C'est ça, j'habite à Dango. Là, malheureusement, ouais, je vais pas jouer demain. J'ai les croisés maintenant depuis 2 mois. Donc, les croisés, tu pourras pas jouer, mais là, t'as ton beau maillot, ouais, du c'est Racing. Ça, du Racing. Il y a un match ce soir, donc ça sera peut-être dans la vidéo qui est sortie juste avant. Peut-être que je vais filmer. Mais en attendant, là, on est à Aubernais. C'est ça. Très belle ville. C'est vrai, belle bon, touristique, c'est magnifique. C'est magnifique, on met ça en musique.
Comme vous l'avez vu, on a pris le train de Molsheim à Strasbourg. On y est, on va manger un petit coup. Puis après, on va voir un petit peu cette grande ville de Strasbourg avec notamment sa cathédrale. On est parti! On est dans Petite France, un quartier de Spic vraiment magnifique ici à Strasbourg. Je vous montre tout ça en images et puis on se retrouve pour terminer cette visite alsacienne, petite visite alsacienne avant de repasser sur le foot. On se retrouve au pied de la cathédrale dans quelques instants. On est au pied de la cathédrale et c'est là qu'on va se quitter pour cette visite de Strasbourg. J'espère que vous avez apprécié l'Alsace. Mais nous, on se retrouve dans quelques secondes. Retour en arrière, hier à l'entraînement, le jeudi soir, avec cette équipe de Dango, ici en Alsace. Salut. 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 Basile. Salut. Salut. Exactement. Bonjour. Salut. Salut. Bienvenue à Dango. Retour en arrière, on est le jeudi avec l'entraînement, le dernier entraînement de cette équipe de Dangolsheim, Détroit, qui va jouer Colmar dans quelques jours. On est au dernier entraînement de cette équipe. On va découvrir tout ça. Le coach est derrière moi. Et comme la tradition le veut, le maillot de l'AS Gurgi du tour d'avant. On porte les couleurs et on représente ici l'AS Gurgi. Et si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir, c'est juste là. Et on est parti ensemble avec le coach qui va lancer sa séance. Allez les gars, juste 5 minutes. Je vous présente Basile de Stadito. On en a déjà parlé la semaine dernière et tout ça. Donc il vient faire un petit reportage sur notre match de Coupe de France. Donc il est déjà là présent ce soir. Et voilà, vous donner une bonne image de vous. Tout va bien se passer. Pour la séance de soir, on va se séparer. J'en prends 16. Pas forcément les 16 qui jouent dimanche. Donc bon, j'ai déjà commencé à faire des déçus là maintenant. Ceux qui ont joué samedi dernier avec moi, vous allez là-bas. Elton, tu vas avec là-bas. J'ai dit j'en prends 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baptiste, Julien et Yannick. Allez gars, viens par là. Allez, comme j'ai dit, hein, le groupe que j'ai pris là, en grande partie, sera là samedi. Voilà, c'est match de Coupe de France. Je vais en emmener 16, je vous en ai déjà parlé mardi. On partira à 16. Match de Coupe de France N2, Colmar. Je vous l'ai déjà dit mardi, hein, moi je vais pas faire, je viens pas là faire le spectateur, hein, les voir jouer. Ok. Alors on le sait, hein, ça va être très très compliqué. Il y a 6 divisions, 7 divisions d'écart, donc on sait ce qui nous attend, mais on va tout faire, tout mettre en œuvre déjà ce soir à l'entraînement pour essayer de les gêner au maximum. Et pourquoi pas faire encore un exploit. Ok, alors forcément, on a éliminé NR2. C'est encore un autre monde, hein. Mais on va jouer crânement notre chance. Moi, je monte pas sur un terrain et j'espère vous non plus, avec l'idée de ne pas le gagner. S'ils doivent se qualifier, ben, qu'ils se disent à la fin qu'ils en ont bien chié à Dangolsheim. Okay, parce qu'ici, bon, ça va leur faire bizarre quand ils vont arriver. Mais voilà, ça fait partie du jeu et du charme de la coupe. Ce soir, on a un petit invité surprise, Basile qui va un peu nous suivre. Donc, rêve de coupe, hein. Ça veut tout dire. Rêve de coupe, ben, voilà, on est là pour rêver. Et si on fait bien les choses, on peut encore rêver. Et moi, c'est le but. Moi, je ne veux pas dire, ah, on a joué contre Colmar, c'est bien. Je veux dire, on a embêté, même battu Colmar. C'est pas des mots en l'air, je compte sur vous. Faites un gros match, ne jouez pas ce soir, ne jouez pas demain. Jouez le samedi à 16h, hein, pas avant, ça ne sert à rien. On aura assez à faire pendant 1h30. Ok, j'ai dit rendez-vous 11h30 pour le repas. J'aimerais bien que tout le monde soit là, qu'on puisse profiter tous ensemble de ce moment. Et si, comme l'a dit Raph, si vous voulez venir avant, ne vous gênez pas. Programme la soirée, rien de nouveau. Ok, on va commencer là-bas l'échauffement derrière. On fait deux groupes et je vous explique. Il n'y a rien de compliqué. Vous êtes avec ceux en face, là-bas avec l'équipe là. Vous partez de là, faites le tour du construit, vous allez là-bas, vous tapez dans la main. Pareil, le tour à chaque fois du construit. Allez, top! Allez, allez, allez! Là, slalom, tu viens là, slalom, tac! Là, tu refais le tour, tu ressors en slalom, tu la ramènes! Allez, top! Là, tu fais le tour, slalom, voilà! En début d'entraînement, on stimule la compétition avec le jeu de relais juste derrière moi. Ça y va, il y a quelques petits tricheurs. Je vais faire le jeu. Ah là! Allez, vite, 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 vite! Vous avez attrapé.
Le contrôle. C'est un jeu d'équipe là. Tu lui envoies quoi là? C'est quoi tu lui envoies, wesh? Prochain, la même chose jusqu'à là-bas. Arrivé là-bas, vous me faites une touche qui arrive ici. Contrôle et ça repart. Toujours une touche là-bas. La même chose, il y a juste la touche qui se rajoute. Allez. Allez, on passe entre les portes. Allez, une vraie touche, t'as dit. C'est pas mal. C'est bon. Ouais. C'est bon. Coupez. Super, bien parlé. Bien joué. Et frappe au longueur de 16 mètres. Allez, on enchaîne direct. Allez, 3 contre 2. Là. Dans les buts, on prend des risques. On part dessus, ça part fort et ça tire fort ici. Ça tire bien fort. Là. A few moments later. Bienvenue au district. Ah ouais, c'est filmé, ouais. On a l'habitude. Bon, vous me voyez plus, mais il n'y a plus de lumière. On se voit plus. Voilà, ça c'est la vidéo et c'est le district. C'est le district qu'on aime. Voilà. Le beau vieux district. C'est où pour allumer? Là, je crois que c'est bon. Donc, comme vous l'avez vu, petite coupure de courant, c'est en train de revenir petit à petit ici. On va reprendre l'entraînement. Ça, les aléas du district, c'est comme ça. Si, je joue. Ouais, je joue, je suis avec vous. Ouais, c'est pour ça que je te la décale, mais t'as pas le droit de me la remettre en gros, je te l'ai décalé. Bon, on est parti, dernier exercice de la séance, petite conserve et opposition, je suis en immersion. Ouais, il y a Et bah deuxième blackout. C'est reparti. Ça repart. Oh. Oh, bien joué. Bien joué les gars. Ça vient. Essaye. Bien joué. Allez gars, tirez-vous juste 2-3 minutes. Allez, c'est bon pour ce soir. On va pas trop forcer, on joue en même pas 48 heures. Match que vous attendez tous. J'ai déjà dit avant, mais ne jouez pas maintenant. Ni demain, ni cette nuit. On jouera samedi à 16h, pas avant. Ok, alors Colmar, okay, je ne vais pas parler de longtemps. Hein. On sait que c'est une bonne équipe de N2, hein, 6 ou 7 divisions au-dessus de nous. Mais voilà, je veux vraiment qu'on joue avec envie, détermination. Je veux qu'à la fin, on refasse une photo devant cette banderole, les gars. Ok, parce que lui, il aurait aimé jouer ce match. D'accord. Donc, on va se mettre minable. Si on doit se faire éliminer, on sortira avec la tête haute. D'accord, Colmar, ils ont chié ici. On a tout pour le faire. Vous avez les qualités pour battre n'importe qui, je vous l'ai dit. On peut battre n'importe qui, n'importe quand. C'est juste dans vos têtes. Il faut le vouloir. Techniquement, ils sont meilleurs que nous. Physiquement, ils sont meilleurs que nous. Tactiquement, il n'y a pas de souci. Hein. C'est des équipes qui font ça pratiquement tous les jours, qui sont payées pour le faire, bien payées pour le faire. Mais nous, dans l'engagement, la détermination, c'est là où on doit les manger. C'est là où on doit faire la différence. Chaque ballon, il doit être pour nous. On doit se mettre minable 90 minutes. D'accord. Mais moi, j'ai confiance en vous. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parieront sur nous ce week-end. Mais moi, je sais que vous en êtes capables. Maintenant, ce sera un gros combat. Il faut y croire, il faut se donner à fond du début à la fin. Je vous l'ai dit mardi, celui-là qui ne le sent pas, qui dit « Non, de façon c'est une N2, ça ne va pas le faire », ben dites-le-moi franchement. Moi, je veux 16 joueurs qui croient autant que moi j'y crois. Et j'insiste là-dessus, d'accord? Moi, j'y crois et fermement. Alors, je ne suis pas con non plus, hein, je sais que ça va être compliqué. C'est bien de jouer... Mais c'est encore mieux de le gagner. Lozère n'était pas sur notre chemin par hasard. Les maillots, les mêmes maillots que nous, on a dû jouer en maillot vert. Maillot vert avec lesquels on a battu Wittenheim, où Baptiste avait marqué. Et Colmar, j'ai pas besoin de vous la faire. C'est la même chose. Ils vont venir en vert. On perd pas contre une équipe qui joue en vert. Ça, vous me le dites souvent. Donc c'est maintenant, les gars. Ça part de là. Ok. Je vais pas en rajouter. On reparlera samedi plus précisément et tactiquement aussi. D'accord. Mais on changera rien. Seulement avec beaucoup plus de monde autour, je l'espère. Tous les gens qui seront autour, ils vont attendre que Colmar gagne, ce qui serait logique. Mais nous, on va montrer à tout le monde et on va
emmener tous ces gens qui seront là avec nous, ok, les faire croire jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde qu'on peut rivaliser avec eux. Donc pour moi c'est bon, on range comme d'hab, le matos, on remonte le filet, et samedi 11h30. C'est un coup à perdre les ballons, hein. Fais gaffe, il y a des voitures. Hein. Oui. Oui, elle part. Ouh. Oh, avec le rebond, c'était pas mal. Ouais. Ouais, oui. Eh oui. Oui, Valoche. C'est plus de ton âge, Valoche. Fin de séance, vous l'avez vu, j'ai participé à la fin, donc moi j'ai besoin de reprendre mon souffle, hein. Je joue pas autant que, c'était les gars. Trop mal, c'était pas trop mal, coach. C'est pas trop mal. C'était pas trop mal. Bon, je suis avec Fred, c'est bien ça. Ouais. T'es le coach de l'équipe, on est dans ta vie motivé. De l'équipe une, ouais. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Moi c'est Fred, ça fait 7ème saison que je suis ici à Dango. Et le foot, ça a quelle place pour toi? Oh, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Je suis entraîneur ici senior, je suis adjoint dans les catégories U15. Un club aux alentours. Ok. Et je joue encore en vétéran. Et tu joues encore en vétéran. Ouais. Ah, j'ai un peu de chance, ma femme est compréhensive. Aussi. Ouais, on lui passe un bonjour. Ouais, ouais, franchement, quand elle va regarder ça. Grand merci. Ouais, grand merci. C'est important. Tous les jours, je suis au foot et c'est compliqué. Mais... c'est prenant. Et là, on du coup un week-end qui arrive avec un match, comme tu m'as dit, c'est ta première. Ouais, c'est la première avec un tel écart. Et jouer national, pour nous, c'était inespéré. Donc, que du plaisir, que du bonheur. Là, je t'ai demandé, il n'y a pas de séance de tir au but fin de tes séances. Toi, c'est pourquoi? Pour moi, c'est sur l'instinct, c'est sur le moment. C'est souvent le débat avec le gardien de chez nous et pas forcément d'accord avec moi. Moi, je pense que le contexte sera tout autre et les 5 tireurs, ils seront présents armés. Et moi, j'ai confiance totale en mon gardien et ça va faire. Ouais, t'as besoin de l'entraîner. L'entraînement, non, le contexte, c'est pas le même. Donc, pour moi, c'est pas. Il y en a qui aiment bien faire ça en fin de séance. Moi. Ils ont tiré la barre, ils l'ont mis, ils sont contents. C'est ça leur délire de fin de séance. Et... donc t'as pu le voir, j'ai pas changé ma façon d'être ou de faire ce soir. Donc, on a vu beaucoup d'intensité, moi j'ai senti beaucoup d'intensité. J'ai senti ton équipe qui était bien dans son entraînement. Ouais, mais depuis le début de saison c'est comme ça, c'est un groupe qui vit bien ensemble, malgré le contexte c'était un peu compliqué pour nous. Parce que comme tu le sais, on a perdu un joueur récemment, donc grand sponsor à lui aussi donc, et à sa famille. Parce que c'était vraiment des moments... compliqué pour tout le groupe. Ouais. Et voilà, donc, mais le groupe, malgré ça, répond présent sur le terrain et il répondra encore présent, je l'espère, samedi. Nous, on va terminer la soirée tranquillement en mangeant tous ensemble. C'est important, la cohésion d'équipe. Ça, c'est tout le temps. À ce niveau-là, c'est ce qui fait la beauté et c'est du sport aussi. Donc, la réussite. Ouais, la réussite aussi. Hein, les groupes se forment à ces moments-là. Ouais. Et en Coupe de France, il n'y a pas de hasard. Quand vous avez fait un exploit autour d'avant, sortant en R2. On est soudés, malgré ce qui s'est passé. On l'est encore plus maintenant et on sera toujours tous ensemble. Tous ensemble, que ce soit en troisième mi-temps ou dans les deux premières. Parfait, c'est un parfait mot de la fin. Nous, on se retrouve dans quelques instants, on va sauter quelques jours, on va se retrouver direct samedi matin quand on installera tout ça avec l'équipe. Et nous, c'est rendez-vous pour les joueurs, 11h30. 11h30, ouais. Parfait. Merci, coach. Bonne merci soirée. Merci à toi pour d'être venu chez nous. Avec plaisir. Et puis, on se retrouve, nous, samedi matin. Dans le jour de match, vous l'avez vu, on est arrivé ici à Dangolsheim, sur le terrain, ici où va se passer le match, dans maintenant un peu moins de 6h, 5h30 avant le début du match. On a les joueurs qui vont arriver d'ici 1h, mais là déjà, depuis ce matin, il y a plein de bénévoles qui sont là au boulot, des joueurs de l'équipe, des bénévoles qui sont là pour le club. Et donc on est parti ensemble pour cette journée de match, jour de coupe, jour de 4ème tour de la Coupe de France. Alors c'est ici que ça bosse, vous faites quoi là du coup? Donc vous remplacez les... Ok. Ça réclame des cafés à l'atelier, s'il est. Atelier but, ça a besoin de cafés. Aujourd'hui, c'est le 4ème tour, donc c'est l'arrivée des maillots de la Coupe de France officielle. On les a jamais eu ici, c'est la première fois qu'on atteint ce 4ème tour. Et là, ils viennent d'arriver dans le carton. Ah, c'est pour ça qu'on joue depuis le début. Ça fait plaisir. Ah. Ça va bien, la forme? Apéro picot, on peut. Ça aurait été mieux, quoi. On est plein dans l'installation. Là derrière, je sais pas si t'as vu, il y a le vestiaire qui est prêt vestiaire. Avec les maillots qui sont arrivés. J'ai pas encore regardé. T'as pas encore regardé, c'est quelque chose que t'attends, toi? La petite surprise, on laisse la surprise après pour rentrer dans les vestiaires directement. T'es à quel poste? Numéro 5, défenseur central. Ok, ouais, il fallait chercher les ballons de la tête. Il faut un petit peu, c'est la tour de contrôle. Comment ça s'est passé, toi, ta veille de match et puis même depuis le tirage, là? Écoute,
on ne change pas les habitudes, hein, on a gardé les mêmes choses. Maintenant, c'est sûr, un peu d'excitation. Hein, c'est un match que tout le monde rêve et souhaite de jouer dans sa carrière d'amateur en district. Donc, on ne change pas, pas de pression et juste profiter des bonnes choses. Hein. Enlève-moi ça. Une heure, ça va. T'as fait des siestes de 2 heures, Alex? Non. Non. J'ai fait une bonne nuit là pour une fois. Salut les gars. Ça va et toi? Tôt le matin là. Je viens de me réveiller. Lève les lunettes. Oh là là, oh là là, oh là là. Je viens de me réveiller. Oh. Ça va? Max, ça va? Je viens de me réveiller, laisse-moi être tranquille. Il a fait tous les patchs. Il n'y a plus rien là. Il n'y a pas de patch. Non. Le kiné a dit c'est pas la peine. Pas la peine. Pas la peine. C'est bon. On est bon. On est bon. On est bon. Pour une semaine, il m'a dit on est bon. Pour une semaine. Après, on verra. Demain, on remet les patchs. Demain, on remet les patchs après Colmar. Oh, ça va, Sid. Ça va, Sid. Un flash. Je suis KO. Ceux qui se lèvent avant le match, ça, c'est le district. Ah, ça, c'est moi. Tu vois, directement, je me reconnais. On s'appare un peu dans tous les sens depuis ce matin. Il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a le vestiaire, il y a les joueurs, il y a la préparation de tout ce qui se passe. On va bientôt manger ici dans la table qui est là. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. J'entends des bombes. Donc. Ils ont changé les dispositions des maillots. Ah ouais, ouais. Pourtant, ils ont fait ça vraiment avec précision normalement. Non, ils ont tout changé. Normalement, c'est ici ma place. C'est censé y avoir le 10 là. Ou là, va falloir. Bah, ça se trouve, t'es pas 10. Hein. Peut-être. Ah, deuxième, tu crois? Ah, je sais pas, je sais pas. Le capitaine relégué 15ème, je sais pas. Ah, mais ça me fait pas, tu vois, qu'on change les habitudes, ça. C'est des petits trucs. Je suis un peu superstitieux. Tout le monde va s'arranger, tout le monde va s'arranger, je pense, après. C'est quoi ça? Mais c'est professionnel. Mais quoi, je vais aller en fait. Regarde-moi ça. Pompote. Petite pomme, photo de Baptiste. Bien sûr. Oui. Ah, c'est beau. Ça va, la forme. Ça va bien. C'est chaud, quoi. Ça va? Il faut, hein. Je suis complètement chaud. Triplé aujourd'hui. Mais il faut, hein. Je l'ai annoncé en plus. Pour les caméras, il est là. Vie pour les caméras. Je suis dans les caméras, bam. Je suis dedans. J'ai toujours su que j'allais passer à la télé un jour. C'est mon jour de gloire. Je vais plus m'avancer cette fois-ci. Je vais laisser le terrain parler. C'est toi qui as fait, Rafio? Hein? C'est toi qui as fait? Ouais, mais c'était une galère. Poulet, enfin, vous êtes beaucoup plus nombreux que prévu, alors il y aura un peu. Bon, moi, des pâtes, ça me suffit. Bon appétit. Bon appétit. Merci, Rafinho. Rafinho et Pipip. Ouais, et Pipip. Ouais. Moi, je fais comme le coach. Parfait, merci. Et tout ça, agrémenté. Plus ici. Ça, faut aller du côté de ceux qui font de la muscu, c'est-à-dire Brian, logiquement, tu vois. Ouais. Tu vois, il a besoin de fibres et de tout ça, tu vois. Moi, ça va, moi, c'est léger, tu vois. Un peu de parmesan. Parmigiano. Les gars au ciseau. Voilà, c'est nettoyé là. Ça fait chier. Il est bientôt 13h30, là on est en train de marcher après avoir mangé. Est-ce que tu as bien mangé, Thomas? Ouais, j'ai bien mangé. Ouais. Tu joues à quel poste? Je suis attaquant. Attaquant? T'as marqué au tour précédent? Doublé. Je suis bien informé. Doublé en plus, doublé. Ça j'avais pas l'info. Toi, tu te sens comment depuis ce tirage? Un peu stressé là. Mais bon, on va le faire. Ouais, ça va le faire. T'as déjà joué un match de coupe comme ça? Pas aussi haut, pas aussi haut. Pas aussi haut? Ta première Coupe de France, t'as déjà joué? Non, les autres années, mais on s'est jamais qualifié aussi. Aussi loin. Aussi loin. C'est la première fois pour le club. Et pour les maillots. Là, il y a les maillots. Là, on va tout donner. Hein. Bah et oui, aller oui, dans oui. Go. Hein. Et aller dans Go, ça c'est important. On va marcher encore un peu. Ouais, on va faire le tour comme ça. Le rêve de coupe sur le panneau. Ici. On est pendant la marche. On a commencé déjà à faire un peu le tour. On a aperçu le terrain avec la pancarte pour Baptiste. On en a déjà parlé un petit peu dans la vidéo. Mais c'est important de rendre hommage à Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé Baptiste, c'est un très bon ami à nous, un joueur du club qui nous a malheureusement quitté il y a quelques semaines maintenant. On a tenu à lui rendre hommage avec cette banderole et c'est qu'une petite partie
de tout l'amour qu'on lui envoie. Et... T'es un joueur impliqué dans le club, sa disparition est arrivée juste en plein milieu de cette compétition. Exactement. Ouais. De France devait réaliser déjà quelque chose de grand autour d'avant. Exactement, ouais. En fait, le tirage au sort a eu lieu le jour où il nous a quittés. Et on a joué ce match contre NR2 le jour de son anniversaire, en fait. Donc, ce match, cet exploit, on peut dire, contre NR2, était... En grande partie grâce à lui aussi, en fait. Vous avez accompagné dans tout ça. Exactement, les poteaux, les sauvetages sur la ligne, etc. On pense tous qu'il y a une part de lui qui était avec nous sur ce match, en fait. Il est totalement là, présent. Exactement. Avec tout le monde. C'est quelque chose qui a aussi renforcé groupe et qui a marqué, qui marque l'histoire de tout ce qui se passe. Exactement. Je pense qu'on était déjà soudés avant. Mais là, ça nous a donné un supplément d'âme, en fait. Hein. Chaque minute qu'on passe sur un terrain, on se donne à fond, parce qu'on sait très bien l'amour qu'il avait pour le foot et pour le club en général. Donc, ouais. On lui rend hommage carrément, par ce ouais. grand match, ce grand moment. C'est ça. Et j'espère qu'on... quoi qu'il arrive, peu importe le score, ça sera encore un match pour lui. Hein. Ouais. Mais ça sera encore plus beau s'il y avait encore un petit truc de plus quoi, pour lui. On pense très fort à Baptiste, ses proches et toutes les personnes qui étaient liées au club, parce que c'est quelque chose qui a marqué le club. Là, on est en train d'arriver, de rentrer, de finir c'est la ça, marche. C'est ça, c'est ça. C'était plutôt court, cette Ouais, ça va, c'était marche. Juste ce qu'il fallait, une petite marche digestive, juste bien. Il reste encore deux bonnes heures à attendre d'ici c'est le match. Ça, c'est ça, c'est ça. Donc, on va tranquillement rentrer ici dans la partie sportive. Merci beaucoup, merci. Avec plaisir. Oh là là, en plus, j'ai le personnalisé, oh, c'est incroyable. Dango, c'est la classe. Hein. Ah, il c'est pète. Un beau souvenir. Ah ouais, c'est un super souvenir. Ah, c'est magnifique. Ah bah, merci beaucoup, en tout cas. De rien, avec merci. Plaisir. Bonne nuit, les petits. Faites de bons rêves. Après cette marche, on est dans un temps calme ici avec les joueurs qui font la sieste. Tout le monde qui se repose, on prépare, on attend. C'est un petit peu long d'attendre, comme on le disait tout à l'heure. Là, match dans 1h25. Les joueurs vont aller au vestiaire à peu près vers 15h et rentrer dans leur match. Les joueurs de Colmar ne vont pas tarder à arriver. Ils arriveront là-bas sur le parking et tout le monde va commencer à rentrer dans le match. En premier, les supporters qui vont arriver d'une minute à l'autre. Le Colmar vient d'arriver ici et je suis avec monsieur le président, Eric. Eric, ça fait quelques semaines déjà que ce match est là dans toutes les têtes. Effectivement, depuis le tirage, on est en effervescence au sein du club. Un petit club pour nous, comme nous, bah, Colmar, c'est juste exceptionnel de les accueillir. Donc on a essayé depuis 10 jours de préparer ça au mieux. Je crois qu'on est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à jouer. Ouais, Dango, c'est un village de 700 habitants. Tout à fait, un petit village. De foot, ça représente quoi? Ah ben, une animation dans le village. Donc c'est un club fondé en 1921. Donc on a presque une centaine de licenciés qui se répartissent donc avec deux équipes seniors et une équipe de féminine à 8. Et puis les jeunes sont intégrés dans un groupement sportif, donc plusieurs autres villages voisins. Okay. On se regroupe pour être un peu, pour avoir des jeunes de qualité. Avec l'objectif d'alimenter nos équipes seniors avec ces jeunes. Quoi. Ok, voilà. D'arriver au bout, et ce match aujourd'hui, ça peut leur donner envie en voyant, ah bah oui, clairement. En voyant tous les là, tous les on seniors. A par exemple un jeune là, qui vient d'intégrer le groupe, il a fait 3 ou 4 matchs en équipe senior, et puis là aujourd'hui, il se retrouve contre Colmar, donc je crois que c'est très motivant pour lui, et puis, effectivement aussi pour les autres. Quoi. C'est sûr, c'est la première fois que Dango a les maillots, oui. Dango est au quatrième tour. Tout à fait, c'était un objectif depuis quelques temps. Cette année, je crois qu'on a une équipe compétitive qui a mérité de les avoir. Et ben là, on y est. Alors le tirage, on n'a pas forcément été gâté, ouais. Mais on va faire avec. Et puis surtout, on veut en faire une belle fête. Au-delà du sport, on veut vraiment en faire une belle fête. Et donc on a tout mis en œuvre pour que ce soit une belle fête. Voilà. J'ai vu, ça s'active dans tous les sens depuis ce matin, mais déjà depuis qu'il y a eu le tirage. Merci de m'accueillir. Et là, on va partir pour le match. Merci à toi. Merci aussi déjà pour tout ce que tu as fait. Et puis on a hâte aussi de voir le résultat final. Ouais, pour mettre sûr. En valeur notre club. Je crois que c'est une bonne pub que tu nous fais. Et on te remercie d'avance. Merci beaucoup Eric. On va rentrer dans le match avec les joueurs qui vont aller dans les vestiaires d'ici maintenant une dizaine de minutes. Et puis maintenant, ça y est, on y est, enfin. Merci. Enfin, merci et allez Dango. Et allez Dango, bien sûr. Est-ce que tu vois, Basile, notre étoile, elle est avec nous. Elle est avec nous, notre étoile. C'est ça le plus beau. Encore mieux que les maillots. Allez les gars, c'est parti. On y est enfin. Ce match qu'on attend depuis pratiquement 2 semaines. Équipe de National 2, Colmar qui vient aujourd'hui. Je ne veux pas trop parler d'eux parce que voilà, on sait qu'il y a un monde d'écart entre eux et nous. Mais voilà, c'est un match plaisant à jouer, plaisant à y participer, mais voilà,
L'objectif, c'est vraiment de les embêter un maximum, d'accord. On sait que voilà, ils sont forcément meilleurs que nous, hein, sinon ils ne seraient pas à ce niveau-là. Tactiquement, ils sont meilleurs, techniquement, physiquement, dans l'impact, ils seront meilleurs que nous. Ok, mais oh, moi j'ai confiance en vous. Je sais de quoi vous êtes capable. Sur un match, tout est possible. C'est ça la magie de la Coupe de France aussi. Hein. Ok, il y a eu d'autres exploits déjà. Donc moi, je compte sur vous. Mais il y a une chose où on doit aller manger. C'est l'envie, les gars. Ok, et juste pour une personne, par rapport à lui. Ok, on sait qu'il aurait aimé être là, jouer ce match, se donner à fond. Et pour lui, vous allez le faire. Peu importe le score, peu importe ce qui se passe, on se donne à fond, du début à la fin. On lâche rien. Des morts de faim, chaque ballon. Maintenant, on sait qu'il y a un adversaire costaud en face, très costaud. Faites les choses bien, les gars. On a vu le bus arriver, les joueurs arriver, c'est bon. C'est un match comme un autre. Ils viennent chez nous, on est 11 contre 11 sur le terrain. Donc donnez-vous à fond. D'accord ? On triche pas. Et on se met minable sur ce match-là, les gars. Jouez, les gars. De toute façon, la consigne aujourd'hui, c'est simple. On va jouer notre jeu. On va pas les attendre ou quoi, on joue notre jeu. J'ai eu un message ce matin des parents à Baptiste. Et ça résume bien ce que je veux de vous. Ok ? Pour vaincre, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Ok, ça résume bien ce que je vous demande. Jouez, prenez pas la tête. Si on en prend une, on en prend une. Et si on doit les embêter, ben on les embêtera. Et moi, mon objectif, c'est de les embêter un maximum. On va les faire chier, on va les chercher, on va jouer. Prenez pas de risque, mais moi, j'aimerais qu'on joue au foot. D'accord, qu'on montre une belle image de nous. Vous avez les qualités pour le faire, moi, je le sais. Je vous l'ai dit, ça marche comme un autre. 11 contre 11, on se donne à fond. Ça va le faire. Tout ce petit monde là qui viendra, ils pensent Colmar c'est bon, ils vont se qualifier tranquillement. Nous on est persuadés du contraire. Nous. Et on va emmener tout ce beau monde avec nous. Tous, plus le temps il va passer, plus ils vont croire en nous, plus ils vont être derrière nous. Pour la compo, Audran. Les gardiens sur ces matchs-là, c'est souvent les héros. Soit notre héros aujourd'hui. Ok ? Mais pas de pression inutile. On sait tous ses qualités et montre-le devant tout le monde. Et Colmar, je veux qu'ils comprennent dès la première seconde que s'ils veulent arracher la victoire, il faut qu'ils cravachent. Et surtout, surtout, restez focus sur le football. Il y aura du monde autour, mais restez concentré sur ce qu'on doit faire. D'accord ? C'est bien beau de jouer Colmar et tout, mais oh, c'est encore mieux de les éliminer, les gars. On sait que c'est un gros challenge, mais on va le faire ensemble, déjà pour vous. Pour vous, parce que vous le méritez. Si on est là aujourd'hui, c'est mérité. Volksa, il en aura mis 9, Nazviller 5, Ilozen 3-0, NR2. Bah, c'est qu'on mérite d'être là. Ils ne sont pas mis sur notre chemin par hasard. Ilozen, c'était déjà pareil. Colmar, c'est pareil. Si on doit sortir contre Colmar, bah, ce sera avec les honneurs. D'accord ? Je veux qu'à la fin, ils disent bravo Dango, vous avez bien fait chier. Mais oh, si on peut les taper, moi, je me gêne pas. Hein. Et vous non plus. Vous êtes un super groupe, vous le méritez. Donc faites-le pour vous, en priorité. Ensuite, faites-le pour les gens qui sont là, qui aimeraient jouer et qui ne jouent pas. Parce qu'ils reviennent de blessures ou par des choix, ou qui sont encore blessés. Donc faites-le pour eux aussi. Ensuite, faites-le pour tous les gens qui sont là depuis hier, qui préparent, Eric, Raf, tout cela, tous ces gens-là, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui sont là. Ils ont tout fait pour que ce match soit une fête. D'accord ? Donc pour ces gens-là aussi, on se donne à fond. Ensuite, jouez pour vos potes, vos amis qui viendront en nombre, vos familles, vos petites copines, et voilà, donnez-vous à fond, pour ces gens-là aussi. Et en dernier, les gars, oh, pour lui, on ne doit pas laisser une minute. Sur le terrain, on ne doit pas laisser espérer une minute, juste pour lui. Et ça, je pense que c'est le plus important. On a eu des moments compliqués, ben aujourd'hui, on va se battre les uns pour les autres avec lui. Il est avec nous, il est aux Herne, il est avec nous, ne me dites pas le contraire. Et aujourd'hui, il sera encore avec nous. Et pour le reste, les gars, lâchez-vous. Pas de stress, pas de pression inutile. C'est un match de foot. On est là tous ensemble, on est content d'être là. Et on se lâche. Ça roule ? Allez, pour moi, c'est bon. C'est parti. Exactement les gars, il y a du monde qui s'est déplacé. Hein. La tête haute les gars, on bombe les pecs et on y va. On prend un but les gars, c'est pas grave, on continue, tout peut se passer. Hein. Tout peut se passer les gars.
regarde, prise d'info tout le temps prise d'info. Soit sur le terrain, tout le temps, vous devez avoir la tête levée. Je regarde, tout le temps. Ça va bouger vite, ça va aller vite. Ok? Tout le temps, ne voir personne qui est en train d'attendre. Tout le temps en mouvement dans la tête. Le cerveau en mode tête chercheuse, tout le temps. Ok les jaunes? Allez. Allez, allez les gars, vraiment, allez, allez. Allez Jonas, tout de suite dedans, tout de suite Jonas. Attends derrière. Les gars, on y est enfin. Oh, on l'a tous voulu hein, ce match, on l'a tous voulu. Hein. C'est maintenant. Quoi qu'il se passe sur le terrain, faut être fier, faut garder un bon souvenir les gars. Les gars, on se prend, on donne une bonne image de nous. Oui les gars. Aucun regret hein, à la fin. Aucun. Les gars, là, c'est bien en face, hein, vous jetez pas bêtement. Et attention, je le sens ballon. L'envie et la parole, c'est tout dans la com. Et les gars, contre Lausanne, on a été des chiens sur le terrain. Aujourd'hui, c'est pas des chiens, c'est des guerriers. Hein. De la 0 jusqu'à la 90e. Hein. Ce match, il doit être pour nous. On doit se battre, on doit avoir de l'envie, on doit pouvoir faire de la vie. Hein. Il a bien résumé. C'est Baptiste, les gars. Pour Baptiste, les gars. Faites-vous rêver, faites-vous rêver, faites-moi rêver. Les gars, s'il vous plaît, on fait du football, on joue au ballon dès qu'on a le ballon. On les regarde pas. On se chie pas dessus, les gars. Par 1 ou 2 mètres, ce sera mort. Ils sont contrôleurs sur une accélération, ils vont nous fumer. Il faut qu'on soit direct derrière le bonhomme. On montre qu'on est capable à Bango. On doit sortir, on sort la tête haute. Les gars, ouais, ouais. Les gars, le mandat, faites-vous plaisir. Allez, c'est pour Baptiste qu'on le fait, n'oubliez pas. Allez, hein. Pour Baptiste, il est vivant. Allez, allez. On y est, les joueurs sont là, ici entre Dango et cette équipe de Colmar. On est parti dans quelques instants pour le 4e tour de la Coupe de France. On est parti pour 90 minutes ici dans le 4e tour de la Coupe de France entre cette équipe de Dango et Colmar. Il y a 8 divisions d'écart avant ce match D3 N2. C'est parti pour 90 minutes 0-0. Suis. Voilà, va. Encore les mônes, encore les mônes. Les mônes. Ouais, les mônes. Bravo. Bien joué Alex, bien joué. Allez Alex, monte. Encore. Oh bien joué Nico, bien joué. Non. Bien joué Nico. Allez, te gêne pas, tu l'as. Voilà. Bien joué. Yo, voilà. Ah, allez, deuxième. Oh, ah, jouez-vous, oh, bien joué. On vient de passer le premier quart d'heure, toujours 0-0. C'est forcément logique. Colmar joue et a la balle, mais pour l'instant, il résiste bien. Sans jeter. Bien joué, super Johan, bien joué Johan. Oh dommage. Bien joué Johan, bien joué. Allez. Sans jeter, ouais. On fait un petit point, on vient de passer la demi-heure de jeu et toujours 0-0. L'attaque défense continue, mais pour l'instant, le bambou plie, mais n'auront pas ici côté Dango. Les Alsaciens sont coriaces ici en district 3. Sors. Voilà, bien joué les gars, bien joué. Oh, il est passé dans la surface. Bien joué, super, bien joué Valoche. Bienvenue, bien joué. Sur un siège. Oh là là. Voilà. Oh la barre! Énorme, sort dessus, empêche! Bien joué là! Bien joué Brian! Allez avec toi Audran, allez avec toi! Empêché! Oh là là, deuxième! Sur la même action! Allez avec toi Audran, allez avec toi! On vient de vivre une minute énorme avec deux barres pour Colmar sur des frappes magnifiques. On va avoir un corner à venir ici pour les Colmariens. Il n'est pas sur la ligne! Bien joué Andran, bien joué!
Voilà, elle est pas touchée. Mais non. Jamais. Oh. Deux. Deuxième. À jouer, on aura mieux joué. Voilà. Elle doit prendre un but ici, mais ça tient toujours. Corner à venir, on rate parce qu'il y a toujours la balle qui est en dehors, qui n'est même pas sur la ligne. Ça va au deuxième. Ah. 41ème minute de jeu, ouverture du score pour Colmar sur ce ballon dans la surface, ce ballon au deuxième poteau qui est repris et qui malheureusement est dévié un peu dans le but par Audran qui ne peut rien y faire. 42ème maintenant et on va bientôt retourner au vestiaire. 1-0 pour Colmar qui semble avoir fait le plus dur parce que Dango tenait bien. Voilà, il est peur. Ouais, bien joué, yo. Attends, 1-0 pour Colmar, on retourne directement au vestiaire avec l'équipe. C'est bien. Ouais, bah ouais, je sais. Je sais. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Continuez. Plus de pitié, les gars, là-haut. C'est bon, on l'a vu, ils sont là. Ok, on l'a vu qu'on peut les emmerder. Mais voilà, forcément, il y a de l'écart. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais voilà, mais on fait ce qu'il faut. On continue, c'est dur, je sais. Mais on continue. On l'a dit, hein. Peu importe l'adversaire, peu importe le score. On y va, de la dernière, de la première à la dernière, on lâche rien. On lâche rien. Et on en aura une ou deux. Ok? Là, il faut être présent. Et si on n'y arrive pas, on sort la tête haute. On va changer. J'ai hésité déjà à prendre un peu un mi-temps. On va passer en 4-3-3. Moi, je veux gagner ce match. D'accord? On essaye, ouais, bah, on essaye. Parce qu'à chaque fois, on prend le feu avec les deux latéraux, on prend ce risque-là. Nous, on n'a rien à perdre, les gars. C'est dommage, je prends ce but. On a juste un arbitre qui se met 2 secondes avant. Et sur le suivant, on le prend. Mais oh, on lâche rien, les gars. On y est, hein? On y est. Les gars, mais c'est peut-être là-haut. On va le faire, les gars. Les gars, on est dedans, on est pas dégueu. Vous êtes au duel, vous êtes là. Hein. Les premières minutes, les premières, on va sortir du vestiaire à fond, les gars. On a qu'un but de retard, les gars. Voyez, confiance en vous. Vous l'attendez depuis longtemps, le match. Là, on y est, vous êtes dedans, et bien dedans. Utilisez vraiment dedans. On est les 16 ensemble, et ceux qui sont tous autour, ils nous poussent, les gars. On le fait aussi pour eux. Ça va les gars derrière? Vous me sentez comment les gars? Fidi? Ouais. Et on tient, on a les crocs. Ouais, les crocs là. On a les crocs jusqu'au 45 encore. Exactement, 45. Encore. Allez mon gars. Hey Dango! Les gars, on prend place. Ouais. Je vais te mettre là. On m'a pris la mienne. Bon, on m'a pris la mienne aussi. On vient de repartir dans cette deuxième mi-temps, j'ai même pas eu le temps de lancer le chrono, personne n'a vu vraiment ce qui s'est passé. Coup d'envoi et but, deuxième but pour Colmar ici dans ce match. Oh, il est passé. Oh là là. On a fait le tour du terrain, on est maintenant juste derrière le but d'Audran et là il y a les remplaçants qui sont là en train de s'échauffer. On va voir comment ça se passe, on joue à la 65e minute de jeu et toujours seulement 2-0 dans ce match. Encore Couple. Voilà. Carton, voilà. Voilà. Semelle sur la cheville, c'est rouge. Deuxième zone. On joue à 70e minute de jeu et coup franc dangereux pour Dango, c'est un des premiers, c'est le plus dangereux ici dans ce match. On va aller de l'autre côté du but pour voir la frappe. Une dizaine de minutes ici, un petit peu plus, et là on a encore un coup franc, donc on va mettre dans la boîte, je vais aller derrière le but. Allez, Valoche, allez, Valoche! Ah, putain, il a posé! Bien joué, Nico!
sorti le capitaine Nico, qui aura tout donné. Car je n'ai pas flotté ici. Chapeau Nico, un gros match. Il reste un tout petit peu plus de 5 minutes ici dans ce match. Toujours 2 à 0 seulement. On est très bon pour les accompagner dans cette fin de match. Allez, allez. Allez, gars, allez. Putain, la passe. C'est normal. Ah, dis-toi. Les gars. Ben alors, tu finis comment là? Je me suis fait tuer. J'ai mal au nez. T'as fait quoi? Je me suis rentré dedans, j'ai rien vu venir. J'étais comme ça. C'est mal. Là, mon frère, t'as bien joué. Jolan, bien joué, mec. Le match est terminé. Colmar s'impose logiquement 2 buts à 0, mais c'est seulement 2 à 0. On peut voir les sourires sur les visages de ces joueurs de Dangolsheim, District 3, qui ont fait un parcours magnifique et qui ont surtout atteint pour la première fois le 4ème tour de cette Coupe de France. Ils vont sortir sous l'œil d'honneur de Colmar. Oh mais regarde ce Pico, on a le droit à Pico maintenant. On a le droit de Pico, Fred. Merci vas-y d'avoir été avec nous. Fatigué, c'était chaud mais que du plaisir, on en retiendra. Je pense qu'on n'a aucun regret, aucun regret à avoir. On a montré quelque chose de bien, 2-0. Un but à la fin de la première, tout de suite en deuxième. Mais bon, on s'est battu avec nos armes, on a tout donné. Je pense que tout le monde peut être content du match. Et les frissons là de voir tous ces gens-là. Ça fait plaisir. En tant qu'amateur, en district 3, on n'a pas l'habitude de vivre ça. Donc hop, on était un petit peu dans la peau d'un pro un petit peu. Exactement, mais ouais. Ça fait plaisir. On espère qu'on a fait plaisir à tout le monde qui était là. Et merci à toi d'être venu et d'avoir suivi notre parcours. On va profiter, on va à l'intérieur avec tout le monde. Allez, merci. Allez, merci beaucoup. Venez les gars, tous ensemble. Les gars, on se félicite quand même, on se félicite. Hubert là, vous montrez une belle image. On va essayer de jouer. Okay. On va bien ressortir, on va venir encore là quand je suis là. Ça, c'est bien, je tenais à vous féliciter par rapport à ça. Donc, bravo à tous. Okay. Juste une petite pensée pour Camille qui n'a pas pu. Qui n'est pas rentré et va blesser le ballon. Allez, Merci. Fier de vous, les gars. Bravo. Et puis 11h30.
qu'on n'a pas le droit. Non, non, on a le droit. C'est une bonne idée, ça. Le match est terminé, on a eu la réaction des joueurs. Là, je suis avec le coach de Colmar, monsieur Jean-Guy Wallem. Est-ce que vous avez un petit mot pour, sur ce match? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et est-ce que vous avez un petit mot pour cette équipe de Dongolsheim qui vit un moment historique? Bah voilà, on l'a vu, c'est une belle recette pour eux. C'est un bon match. Bon, qu'on a gagné 2-0, on aurait aimé, sans leur manquer de respect, d'en mettre un petit peu plus. Mais je pense que c'est une belle fête pour eux, forcément. Et on aspire aussi à s'étalonner, nous aussi, face à des équipes supérieures et passer ces tours-là qui ne sont jamais évidents. Donc on retient le résultat 2-0. Mais c'est vrai qu'on est toujours un peu perfectionniste et qu'on aurait espéré mieux. Mais pour eux, belles installations pour un club de Détroit, c'est magnifique. En tout cas, merci beaucoup parce que vous avez respecté totalement cette équipe qui a joué son match et qui... C'est ce que m'ont dit le président et le coach. Vous nous avez respecté alors que d'autres équipes étaient venues des fois avec une équipe réserve ou pas les dirigeants. Nous, non. On sait que l'humilité fait partie de ma carrière et c'est ce que j'essaye d'intégrer au club de Colmar aujourd'hui où je suis, donc c'est très important et la coupe en fait partie. En tout cas, merci beaucoup, c'est les belles valeurs du football qu'on essaye de partager. Ça va. Et c'est au plaisir. Merci beaucoup. Salut. Bon retour. Au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, c'est terminé sur ce rêve de coupe ici à Dango. Je suis avec les gars, Audran, Yann et Raph. Les gars, sur ces derniers jours, depuis que vous avez eu le tirage, qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous en gardez là comme ça? Un plein d'émotions, hein. Ouais. Plein d'émotions, on est passé par toutes les émotions, on était super content d'avoir tiré Colmar déjà de première, de pouvoir faire un match comme ça, de faire la fête, et puis derrière, on peut que être fier de nous avec le match qu'on a fait. C'était une sacrée aventure, tenir ça, franchement, ouais. On fait 2-0, voilà, un bon résultat contre une N2, cette division d'écart, ouais. Belle fête pour le club, franchement, ça récompense les bénévoles, tout le club, franchement, donc franchement, belle fête, ça fait plaisir. C'est cool, magnifique. Un bon match. Des bons souvenirs, c'est ça. Ah, que des bons souvenirs. Et les frissons, moi j'ai eu des frissons. Les frissons quand il y a tout le monde qui applaudit là-bas. Le monde, ouais. C'est pour ça qu'on joue au foot. C'est pour ça, c'est exactement pour ça. C'est pour ça. On remercie tous les dirigeants qui nous ont fait la journée, le staff. Les bénévoles. Et on remercie tous les supporters qui étaient là pour nous encourager et qui nous ont pas lâché du début jusqu'à la fin. Et comme dit, qui nous ont fait vivre une belle dernière émotion. C'est ça. Je crois qu'à Dango, il y avait Jacques. Merci Basile. Merci tout le monde. Ça nous fera un beau souvenir. Un gros souvenir. Franchement, c'est ça. Tu reviens pour le titre en Détroit. Écoutez, les gars, faites le boulot. On prend rendez-vous. Ça marche. J'espère que vous avez kiffé ce rêve de coupe ici en Alsace. N'hésitez pas à aller vous abonner, liker cette vidéo, la partager à tous vos amis, exactement, tout le monde. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour le 5e tour. Ça sera dans 2 semaines. Maintenant, on ne sait pas encore où ce sera. N'hésitez pas à mettre en commentaire où vous voulez que j'y aille. Et puis, je vous dis à très très vite. Vive le foot amateur et vive Dango. Ouais. Allez Dango. Allez, merci. Dango. Et vive Dango. Baptiste. Et vive Baptiste. Un match de Coupe de France, ça se garde dans la tête. Ça fait 3 semaines que vous, les premiers, vous attendez ce match-là. Vous allez passer par toutes les émotions aujourd'hui.